Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Merci Anthony, heureusement Anthony est là pour mettre du piment dans ce vlog. Donc là nous sommes samedi 28 mai et nous avions du monde à la maison. On fait la fête des mères en deux temps. On a fait aujourd'hui avec ma belle famille et on fait demain avec mes parents. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai fait une petite déco, je sais pas si vous avez vu sur mon autre chaîne, donc Cleaning Forever, j'ai fait une petite déco sympa. Et donc là, ils viennent seulement de partir, enfin il n'y a pas très longtemps. Et on avait prévu avec Anthony et les enfants d'aller faire un petit resto, puisque la cousine d'Anthony nous avait parlé justement de ce resto là l'autre fois, parce qu'apparemment il y a un robot qui sert les gens. Voilà, un robot qui vous sert, je crois, les boissons, ou peut-être les plats, je ne sais plus ce qu'elle m'a dit. Hein, Anthony, c'était quoi, je sais pas. Boissons. Je crois que c'est que les boissons, peut-être pour inciter les gens à consommer des boissons, mais je suis pas sûre. Donc du coup, on va aller voir, c'est un nouveau resto. Donc on va vous emmener avec nous, c'est sous forme de buffet. Oh. Non, mais non, si, on l'avait vu sur Insta. Oui, et ils ont un compte Insta et il y a un beau buffet, il y a plein de choses à manger, ça fait beau. C'est la course, je voulais me coiffer, mais là j'ai fait ça vraiment à l'arrache totale, pas le temps, j'ai pris le sac, la caméra, et on vous embarque. Et on vous embarque avec nous. Pistache avec de la chantilly, des macarons pistache. J'ai pris des morceaux d'ananas, la panna cotta j'ai pris, et j'ai pris une tarte citron. Et il est content, et il est content. Et il est content. Anthony. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton vlog là? Ah, tu étais au restaurant, tu mangeais et puis là on est là, on se retrouve le matin comme ça. Bah ça a été... Very bad trip quoi. Ça a été, ça a été très difficile quoi, ça a été ça a été dur, ça a été éprouvant cette soirée. C'était vraiment dur. Donc là il nous faut un café, même moi là, qui suis ôté normalement je vais... Non. Tu vas passer du thé au café quoi. Ah oui là je vais... Je tourne ma veste. Ouais. Bon, parti. Les enfants dorment encore, hein. Je préfère le préciser, ils se sont bien trop fatigués et nous on en profite pour se retrouver
En amoureux. On a fait un petit bond là dans le temps. Hier on est rentré, on était vraiment trop fatigués après le resto en fait. Moi en tout cas pour ma part j'étais debout depuis 6 heures, voilà, pour pouvoir faire la petite déco, tout ça, donc ça m'a pris du temps, le montage et tout, donc en fin de journée en général je suis ultra KO. Donc voilà, je me suis dit c'est pas grave, je vais faire le vlog à cheval, enfin sur deux jours. Donc là aujourd'hui, enfin on a promis aux enfants avec Anthony de les emmener au ciné voir Sonic 2. Ça fait hyper longtemps qu'il est sorti et là il y a quasiment plus de séances en fait. Donc là on en avait une hier mais c'était impossible, voilà. Et là il y en a une à 11h, une à 14h. On va aller à celle de 11h parce qu'en général à 11h il y a personne. Donc on a le ciné en général pour nous tout seul, c'est vraiment cool. Donc on va faire ça ce matin et l'après-midi voilà, il y a mes parents qui viennent. Hier on avait mes beaux-parents, aujourd'hui mes parents. C'est cool, c'est riche en famille, on va dire, voilà. Et voilà, parce qu'en fait on a regardé au niveau du film, moi je suis pas très emballée à l'idée d'aller voir Sonic 2, hein. je suis pas trop fan, en plus il dure 2 heures le film, c'est un gros morceau, mais il y a que ça en film pour enfants. Bon, les enfants eux ça leur va, ils sont pas difficiles en film, au ciné, dès que c'est pour les enfants ça leur plaît, hein. Franchement tous les films qu'on a fait jusqu'à présent au ciné ça leur a toujours plu, et donc là, puis en plus je sais qu'ils veulent le voir celui-là, mais c'est plus moi, j'aurais bien aimé voir autre chose, vraiment au pire animation, mais voilà, y a pas, hein, c'est pas grave, donc on va faire ça. Du coup, comme mes parents viennent cet après-midi, on va pas enlever la déco, surtout pas, voilà, surtout pas, Anthony, surtout pas. On s'est donné du mal à faire ça. Anthony a serré tous les ballons hier, moi je les ai gonflés, mais bon, moi c'était un peu facile quand même. J'ai pris le truc le plus facile à faire, c'était la machine pour gonfler, mais sinon non, après j'ai fait toute la structure. Bah, je vous ai montré sur mon autre vidéo comment j'ai fait, sur mon autre chaîne, sur Cleaning Forever. Enfin bref, tout ça pour dire que là ce midi on a quand même envie de manger sur notre table. Et en fait ça fait super sympa, je vous recommande vraiment cette armature chez Action, elle coûte 9€. Et ça vous permet de faire des structures super mignonnes. Et au final là on va manger comme ça va être rigolo. On va manger pile poil sous les ballons. Et vous pouvez faire ça aussi même sur une table dehors, en extérieur, avec des petits lampions qui pendent. On mange sous les étoiles, on mange sous les ballons. Voilà, tu vois. Et on pourrait manger sous les ballons, sous les étoiles. Et aussi. Dans le jardin. Faire. Mais non, franchement, c'est mignonné. J'ai hâte de manger là. Tiens, encore mieux qu'au resto, t'as vu? T'as vu un peu? Y a pas de décor comme ça. Bon, après là, on voit un petit peu l'armature, mais c'est parce qu'on a un petit peu tout déplacé. On va remettre ça bien après. Et même, je pense qu'on va la laisser comme ça, hein. Pour prendre le goûter, ça va être. Même ça va tout être... le temps, même, je pense. Même tout le temps, ouais. Jusqu'à ce que les ballons s'explosent. Voilà, je voudrais qu'il n'y ait plus de ballons. Voilà. Non, mais franchement, c'est mignonné. Petite table comme ça, là, c'est sympa. Voilà, petit bouquet de fleurs qu'Anthony a été cherché hier. Franchement, il est trop trop beau. Il connaît mes goûts, donc... Ouais, franchement, t'as bien fait. Hein. Super beau avec l'eucalyptus, comme ça, j'ai craqué quand j'ai vu ça, j'ai craqué. Bon, c'est bon, on a réussi à sortir, c'était compliqué. Donc là, on est un petit peu... Enfin, on n'est pas très en avance, on n'est pas en retard, mais... Après, en général, ça commence pas tout de suite. Hein. Non. Il y a toujours un petit temps, donc ça va, on va... On est à côté. Puis là, on est juste à côté, on a pris le ciné qui est en ville, donc on est juste à côté. Donc là, c'est parti, on y va, il fait toujours beau, mais en fait, il fait un peu frais. C'est très bizarre, on pensait qu'il faisait chaud, mais en fait non, il fait pas très chaud. Donc c'est parti. Hein, Anthony, qu'est-ce qu'on dit? On vous emmène? Avec nous. C'est bon. Tiens. Popcorn. Non, moi je veux pas de popcorn. Pourquoi t'en veux pas? Enfin, il est bien rempli celui-là. Moi aussi je veux pas. On prend deux paquets? Prends trois petits. Allez, prends trois petits. Ça y est. Bon, on a le ciné pour nous tout seul. Si ça c'est pas trop bien. Allez. Bon, on se met où du coup? Je sais pas. On se met où, Victor? Hein? On a l'embarras du choix là. Qui est là? Tu mets là? Ah oui, on avait dit nous. Ah oui, au-dessus d'aller, on avait dit. Allez, la tribu là. Allez, petit. Allez, mon petit. Anthony, il est en forme. Bon, on sort du ciné. Franchement, c'était pas mal. Hein, les enfants, vous avez aimé Sonic? C'était trop bien, Sonic. T'as aimé, Anthony? Et ouais, franchement, c'était pas mal. J'avais peur et tout. Je me suis dit, 2 heures, ça va être trop long. Mais en fait, non, c'était vraiment pas mal. Il y avait de l'action et tout. Donc là, on rentre tranquillou. Ah bah non, mais ça s'ouvre. Oh, c'est magnifique. Et c'est gratuit le parking le dimanche. Super, franchement, c'est génial. On va préparer gentiment le repas. On va faire des papillotes de poisson ce midi. Voilà.
Il est 13h, bientôt 13h30, on va manger en retard. Putain, tu t'es pris pour Sonic là, Anthony là. Sonic. Bon, donc là pour ce midi, on va préparer, enfin pour ce midi, il est déjà, vous voyez, presque 14h. On va préparer des papillotes de poisson. Donc là, on a pris du dos, c'est quoi, du lieu noir, je crois. Dos de lieu noir. On va mettre dans la papillote un petit peu de champignons pour les enfants, surtout, enfin que des champignons pour les enfants. Et pour Anthony et moi, on va mettre les poivrons et les champignons. Plus le citron, plus de l'huile d'olive, et on va servir ça avec des petites pommes de terre cuites à la vapeur. Et ce sera bon, parce qu'après à 16h, mes parents viennent, donc on va se dépêcher un petit peu là pour débarrasser tout ça et être prêt pour 16h. Anthony qui fait à manger ce midi. Attention, attention. Alors pour commencer, on met un petit tu mets ton doigt dessus pour faire une meilleure répartition, pas mal. C'est des astuces de chef, ça. D'accord. Un petit peu d'huile d'olive. D'accord. Ensuite. Après, on met des petites rondelles de citronné. Rondelles de citronus, comme ça. D'accord, du citronus. Voilà. Après. Un petit peu de sel. D'accord. D'accord. Un petit peu de sel. D'accord. Après, jusque on met. Jusque là, tout va bien. Des brochettes de. Oh, c'est joli. Oh, c'est beau. C'est de toute beauté. Oh, c'est de toute beauté. Oh, c'est de toute beauté. Ah, vraiment. Ah, oh, franchement, t'as un. Tiens, moi j'aurais jeté ça comme ça dedans. Non, il faut pas jeter. Non, il faut faire ça bien. Il faut faire ça bien, tu vois. C'est la fête des mères. Voilà, tu vois. Voilà. Une petite là, et hop là. Ouais. Ah, j'aurais mis du vert du côté. T'as cassé l'algorithme là. Ouais, hein, c'est bon. Rouge. C'est pas mal du tout ça, ma foi. Voilà, avec un peu. Là, j'aurais peut-être mis un petit citron moi, par-dessus. Un petit trait de. Ouais. Parce que moi j'aime bien quand c'est citronné. Voilà. Tu m'en remets un. Allez, petite rondelle. Ouais, allez. Vas-y. Voilà, bah parfait, voilà. Perfecto. Il n'y a plus qu'à fermer. Donc là, c'est combien? 25 minutes au four? C'est ça. 20 minutes, 25 minutes, on va voir. Ouais, je ferme. T'as une technique, non? On ferme bien comme ça, on serre bien. D'accord. Et après? Après, on serre. Et on serre bien à chaque côté, comme un paquet de bonbons. Je te sens concentré là, toujours très concentré. Allez, c'est parti pour le repas sous les ballons. Bon, Anthony? Ouais! Eh, ça doit pas être donné de manger comme ça sous les ballons. Sous les tropiques, non. Parce que moi j'avais demandé cette table là, franchement, sous les ballons. Ouais, franchement, j'ai goûté, c'est vraiment pas mal. C'est trop bon, j'ai trop plein d'eau et j'ai jeté plein. C'est vraiment pas mal. Bravo, chapeau l'artiste. Ah bah. Attention, rien ne va plus. On va faire un battle de cocktail. Cocktail Toto, cocktail Titi. On va voir ce que ça va donner. T'as pas peur? Non. Je vais te pulvériser là, je suis la pro moi du cocktail. Mais d'accord, avec Anthony, ce sera tous les deux cocktails on the beach. Donc toi, c'est quoi? Du sucre de canne. Du sucre de canes. Et moi, du sucre de coco. On va tenter comme ça. Donc moi, je vais en mettre un petit peu dans une bolinette. Ah, ah attends. Tu te l'aides. Non, c'est bon, ça va le faire. Et il me faut du colorant rose pour pouvoir le rosifier. Ça va, parce qu'il faut que t'en mettes plus. Hein. Plus que ça? Ah bah oui. Non? T'es sûr? Bah, tu vas faire comment pour ton verre? D'accord. Alors donc là je viens d'extraire un petit peu de colorant. Bon, on se permet de faire ça parce qu'il n'est pas encore l'heure. Et mes parents arrivent bientôt mais pas tout de suite. Par contre, ça... t'es sûr que c'est du rose que j'ai mis? Eh oui. Ça fait tout noir? C'est normal, c'est parce que c'est pas liquide. Et donc? Et donc quand tu vas mettre du liquide, ça va... Ça va rosifier? Ah oui. Tony, il faut mettre une goutte de quelque chose. Et là, si tu mets du liquide, tu vas pas pouvoir se coller. D'accord, autour. On fait comment alors? C'est là, le liquide, il est là. Tu mets du citron? Ouais, tout autour du verre. Non, mais là, pour que ça devienne rose, comment je fais? C'est quand tu vas plonger ton liquide. Tu crois que ça va s'enformer au contact? Oui, de... ça va. Bah, je suis pas sûre. Mais hein. Si, ça va le faire. D'accord, bon, on va tester. Anthony, on connaissait Anthony pâtissier. On connaissait Anthony tapissier. Et là, on connaît Anthony barman. Ouais, non, pas du tout. Voilà, carnage. Donc, n'essayez pas de reproduire ça chez vous. Ouais, c'est joli. Tu vois? Ouais, mais là, moi, tu vois, joli. Ce sera pas rose. Mais si. D'accord, bah je te fais confiance. Je vais te laisser faire au final. Yeah, franchement, il est trop beau. C'est beau comme ça en jaune orange. Je vais laisser faire Anthony là pour cette manip. Parce qu'apparemment, ça va devenir rose au contact du liquide. Peut-être, peut-être pas. Nous allons voir. Mais moi, le sucre, il est plus gros, donc je sais pas ce que ça va donner. Attention, verdict. Ah si, ça devient rose.
Mais bon, ça fait des plus gros morceaux. C'est pas grave. Après, c'est pas grave. C'est joli quand même. C'est de sucre coco. Le sucre de coco, il est plus gros. Mais c'est pas grave, c'est tout mignonné quand même. J'aime bien. Je prends. Alors ensuite, nous allons mettre... Peut-être mettre un peu de limonade aussi, moi. Oui, bah, c'est pour ça. Attends, je vais t'essuyer. Mais je sais pas si la limonade avec le lait de coco, ça va faire bon ménage. Je sais pas. C'est ton verre à toi. Je vais tenter. On va tenter. Un peu de lait de coco, du jus de goyave et un peu de limonade. Et un peu de citron, bah. Non, le citron, ce sera pour décorer. Allez, on check bien comme ça. On check. Et après... Alors après, tu fais comment? Mais après, tout simplement, je vais essayer de pas toucher, donc tu m'as dit. Hein. En premier... Mais la quantité que tu veux. Hein. Bah, je préfère, moi j'aime bien quand c'est bien goyavier, tu vois. Comme ça. Encore un peu. Hein. Top. Ensuite, après. On mélange bien son lait de coco. Voilà. On en met un tout petit peu on the beach. Ah, il est... j'ai bien mélangé. Ça, mais je mets juste un tout petit peu de... Un tout petit peu de... Comment ça s'appelle? De limonade. Comme ceci, limonade. J'espère que ça va aller. J'espère que ça va être buvable. Bah oui, parce que si j'y arrive pas, c'est Bibi qui va le finir. Voilà, il y a un petit peu pour les bulles. Voilà, on the beach. Alors le deuxième cocktail maintenant. Alors attention. Que vas-tu mettre? Pomme kiwi. Alors pomme kiwi. Donc là, ça fait joli le jaune comme ça là. Ouais. Après, tu mets juste du limonade, tout. Moi, j'en ai pas mal. Tu veux pas mettre du goyave? Après... goyave? Ah, j'ai pas du goyave. Non, pas du goyave? Non, je vais mettre un... Un fond de quoi? Carrément, toi. D'accord. Ah. T'es un tricheur, tu prends que des couleurs... De quoi? Ouais. Anthony a pris quoi? T'avais quoi déjà? Une carambole? Une carambole. Pour pouvoir faire une belle déco. Attention. Ouais, et on se croirait presque aux Maldives, là, ou aux Seychelles, non? Ouais, franchement, c'est trop joli. Bon, bah, c'est parti, hein. Allez, on s'évade. À la vôtre. Alors. T'es pas bien, là, t'es en stress, là. Attention, là. Travail minutieux, comme ça. C'est joli avec le verre. Bon, on vous reprend un petit peu plus tard. Mes parents sont arrivés pile poil quand on était en train de faire des photos pour Instagram pour les cocktails qu'on vous a montrés tout à l'heure. Et du coup, bah, après, on a lâché le vlog, on a tout laissé tomber. Et là, on vous reprend seulement maintenant. Il est 18h passé, sachant que je devais mettre ce vlog en ligne à 18h. Je suis un petit peu en retard. Donc, j'ai plein de colorants roses sur les lèvres à cause du cocktail. Enfin, vous savez, le rebord, vu que j'ai mis du colorant. Bah voilà, maintenant je suis... C'est coloré. Ça va partir maintenant, quand même. Coloré. Donc, bah, en tout cas, on espère que ce vlog vous a plu. On vous laisse. Et on vous dit... À demain pour une prochaine vidéo sur notre chaîne. Sur notre chaîne.